Bon les amis, je me retrouve ça y est avec Polo, deuxième jour, on est à Aix-les-Bains aujourd'hui. Vous avez vu la tollée qui m'a mise hier à Évian. Ouais, t'as l'air fatigué là, non? Ouais, il fait chaud mais c'est ouais, j'avoue, là il fait 30 degrés, on est à Aix-les-Bains. Petit golf sympathique ma foi, merci pour l'accueil du directeur, que je remercie vraiment Pierre-Antoine Missu. Vraiment un accueil exceptionnel. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on continue le match. Le match play, on est en format match play sur 3 jours, il a gagné le premier jour. Et bah bon, faut que je me réveille sur ce jour là. Ouais, parce que sinon ça serait la honte hein. Ça serait la honte hein, de me faire battre par un gamin de 10 ans là. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite partir sur le match play. Allez go. On est sur un par 4 pour commencer de 351 mètres. Absolument tout droit, on a un petit vent portant. C'est quand même assez large. Je crois que je vais sortir le drive là. Polo il part toujours des rouges et moi je pars des blancs. On change pas les boules de départ. Et c'est parti. J'espère mieux jouer que le dernier vlog que vous avez vu à Évian. C'était vraiment catastrophique. J'ai encore mal à la main malheureusement. La tendinite n'a pas disparu. Je me suis mis du gel anti-inflammatoire mais ça n'a pas trop fonctionné. Du coup bah, on va essayer de s'accrocher quand même. On va pas abandonner. On va pas se faire matraquer par un enfant de 10 ans merde. Allez c'est parti. Du coup je vais driver. On va essayer de caler ça milieu de piste. Et c'est parti. Parfait drive demain. Parfait pour la première. Allez, on retrouve Polo. Départ des rouges, 302 mètres pour lui. Ça sort drive. Ouais. Tu fais ton petit draw habituel, tranquillou. Ouais. Plein milieu, bon c'est assez large. Hein. Ouais. Allez mon pote. Allez, parfait Polo. Ça enroule un tout petit peu. Ouais. Mauvais kick sur la gauche malheureusement. Bon, on retrouve Polo, il est là un petit peu bloqué à gauche. T'as combien de mètres au drapeau mon gars? 135. Il y a les arbres à passer, il a pas du tout l'angle. Il est bloqué à gauche. J'essaye de me mettre un peu avant le drapeau, je vais pas attaquer ça. Un petit fer 6. Okay. J'essaye de faire un petit coup bas vers le green mais un peu avant. Ok, bon tu vas me montrer ça parce que t'as pas de fenêtre pour moi. Moi je me recentrerai à ta place. Non, mais... je vais me recentrer mais en même temps un petit... Ok, ok. Vas-y, tu vas nous montrer ça. Et départ du 2, on est sur un par 4 de 375 mètres. C'est long. C'est long hein, quand même, 375. Le fairway, il est assez large. Il est large, exactement, t'as raison. Du coup, je vais balancer un gros coup de drive, comme au 1. Et je pense qu'il va me rester après un coup de fer. Polo, il aura 286 des rouges, il sera pas mal. Fairway très large, c'est le moment de bombarder. Hein. Reviens. Et voilà, petit draw. Nickel, bien joué. Petit draw des familles, c'est bon. Oh là là, il m'a autorisé à driver. Ok, je suis là. Polo, il a mis un gros drive. Il est 40 mètres après. Bon, il me reste 132 mètres au drapeau. J'ai un vent portant. Je vais assurer le côté droit du green en draw, en espérant que ça revienne vers le drapeau. Si elle prend son draw, donc faire 9 avec le vent, je pense que ça me paraît correct. Et c'est parti. Ouais, ça va aller. C'est la distance.
Ah non. Oh, elle est parfaite. Bien joué. Elle est pas mal. Allez, Polo, il est là. 100 mètres à peu près. 97. 100 mètres, 97, purée. Bien joué, mon gars. Donc là, il est en pente penchée comme ça. Donc on Polo, pitch, hein. On joue pitch. On va petit pitch en et tu prends de la marge à droite, hein, mon gars. Tu sais que cette pente, ça va te ramener la balle. Mmh. Et avec ton draw en plus. Allez. Je vais essayer de viser le bord droit. Bord droit du green, hein. Ouais. Pour toi, yes, parfait. Tourne, 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 tourne. Ok, juste un peu trop à droite, ouais, mais ça, bon, va. Ça va. Bon, moi je suis pas mal, je suis là. Trait de green, un peu court. Polo à hauteur. Bon, je vais putter en premier. Et c'est parti, hein. Ça joue au putting sur ce trou. Ouais, c'est ça en plus. Heureusement qu'il y avait le drapeau, j'ai envie de te dire. Bon, Polo, je pense que tu peux me la donner pour le par, non? Ouais. Merci. Oh, la charge que j'ai mis, les gars. Ah, la charge, mais écoute, je sais. T'étais à 2 mètres. Ouais, mais je sais bien viser. Hein. ça vient bien. Ouais, écoute, putt en descente comme ça, je te la donne pas. C'est pareil. Bien joué. Comme j'ai montré à ma mère. Allez, départ du 3. Oh, on est sur un par 3 qui fait un peu fort. Hein. C'est un qui est assez long. Assez long, bah 180 mètres au drapeau vent contre en descente complet. Je pense que je vais jouer 180 piles avec le vent contre. Je vais jouer faire 4. Ça me paraît être un bon choix pour aller me choper le green. Regardez-moi ce paysage là, magnifique, magnifique, magnifique ce golf. Aïe, t'es à droite. Ah, ça s'échappe. Bunker. Dans le bunker. Ok, on retrouve Polo, départ des rouges, 155 tu me dis? Ouais. Ok, tu me la joues en petit draw comme d'hab, c'est ça? Mmh. Allez. Allez, parfaite Polo, ça enroule un tout petit peu, faut qu'elle fasse la longueur, fais la longueur. Oh, elle prend un bout de green. Ah, Polo, il a vraiment de la chance, il est tombé à côté du bunker, elle a pris le bon kick, bam! Milieu de green. Écoute, c'est ce qu'on appelle le talent, non? Bon, moi je suis dans le bunker. Faire approche putt, hein, parce que là il va prendre ses deux putts, il va se barrer. Va falloir que j'enquille ça, moi. Ma fait une bonne sortie. Elle a un peu trop spiné, mais sinon ça va. Bien joué! Solide! Solide, allez, square. Allez, on est sur le départ du 4. On est sur un par 4 de 386 mètres. Il fait un peu flipper, hein. En termes de départ, il est complètement penché. On n'a pas de visu sur Whale Green. Alors, on a vu sur la carte, c'est qu'on peut un dogleg droit. Je pense que je vais jouer agressif au-dessus de ces arbres-là. Et je me chopperai le fairway de l'autre côté. Parce que si je joue par là, je pense que je vais me taper les arbres au fond. Donc, à mon avis, couper par là, balle droite, ça va être pas mal, quoi. Allez, on va faire ça. Elle est droite comme elle est, hein. Je pense qu'elle est parfaite, hein. Ah, il faut juste qu'elle prenne un... Bah, c'est exactement ce que je voulais faire, après. Parfait. On connaît pas le parcours. Bon, départ des rouges pour Polo. Alors, rien à voir le trou, hein. Il a pas du tout le dog leg. Il est complètement en descente maintenant pour lui. Il a complètement la visu, donc... T'es pas mal, départ des rouges, en fait, hein. Ça, ça... Ouais. Aïe. Aïe, provisoire pour Polo. On ne sait pas ce qui se passe à gauche, donc on va en remettre une autre. Hein. Oh, elle est parfaite celle-là. Petit draw. Oh, elle est sacrément longue en plus. Hein. Bien joué. Allez, on va voir si on trouve la première. Polo, il va jouer sa provisoire. Hein. Malheureusement, c'est en limite à gauche. Et avec l'enroulade qu'il a mis, il ne peut pas prendre un kick vers le fairway. Mais c'est pas grave, t'es encore en jeu. Ouais. Allez. Ouais. Bon, je suis là. Il me reste 153 mètres au drapeau. J'aurais pu encore plus couper, je pense. Hein. Il y avait vraiment de la marge à droite. Mais bon, vu que je connais pas le parcours, écoutez, déjà qu'elle soit là, c'est bien. 153 mètres, ce que je vais faire, c'est que j'ai vent contre. Je vais jouer un fer 6. Ouais, vent contre, fer 6, hein, je pense que ça va être pas mal. Oh, elle fait pas son fade. Bon, Polo qui va taper pour 4 du coup avec sa provisoire. Il a 110 au drapeau. Allez, faut que tu plantes, Polo. Faut que tu plantes, tu fais un putt. Ah, socket. Aïe. Aïe, poignée. 50, 60 mètres au drapeau. Allez,
plante la moi là, c'est pas grave, même si tu perds le trou, on reste accroché. Ouais, le ref était épais, hein. Allez, moi je suis là. Là, il n'est pas folichon, le drapeau est là. Polo me donne le trou, mais moi je vais quand même finir le trou parce que bon, on est quand même au golf pour se faire plaisir. Ouais. Donc, allez, on va essayer de bien jouer quand même les shots qui nous restent. Bah écoutez, c'est pas mal fait, hein. Juste en dessous. Hey, désolé de vous couper en plein milieu de la vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai créé ma formation en ligne sur le golf et j'offre les 3 premières vidéos de ma formation, c'est pour Bibi. Pour y accéder, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et vous aurez les 3 premières vidéos offertes de ma formation sur votre boîte mail. Voilà, je vous dérange pas plus. Allez, bonne fin de vidéo. Bon, on est sur le départ du... combien ? 5 ou 6 ? On est sur le départ du 5. On est sur un par 5 de 411 mètres des blancs. Plutôt court hein, pour un départ des blancs. Écoutez, je vais en profiter pour essayer de le choper en deux. Hein. Il a l'air tout droit, quand même assez large en vrai, donc on va sortir la masse. Allez, c'est parti. Je crois que je vais remettre une provisoire. Hein. Magnifique. Ouais, magnifique. Oh là là. Bon Polo, t'as l'avantage hein. Je pense que la mienne est morte, je vais pas la retrouver. Je vais taper 4 donc vas-y, place-la tranquille milieu de piste, 349 des rouges. C'est ce que je voulais faire là. Voilà, prends l'avantage là, c'est le moment. Ah, elle est parfaite hein. Bien joué. Bon, on retrouve Polo. Il lui reste 168 mètres au drapeau. Deuxième coup sur un par 5, je pense que t'es pas mal. Moi je suis juste à côté de lui, sauf que c'est mon quatrième vu que j'ai pas retrouvé ma première. Donc il est bien parti le cochon. Oh non. Oh c'est hors limite. C'est hors limite ça. Bon Polo qui me donne une chance. Il a mis hors limite malheureusement. Allez c'est pas grave Polo, ressaisis-toi. Regarde on joue quasiment au même nombre de coups là. Bah voilà, ça c'est parfait. Un très bon coup ça. Bien joué. Bon, allez, il m'a donné une chance. Je reviens, on joue le même nombre de coups. 168, je vais jouer un fer 5. Oh non. Merci, non. Elle est jamais revenue. Ouais, elle a pris un petit kick sur la gauche. Bon écoutez, je suis pas si mal. La chance des arts. Eh ben oui, il faut toujours de la chance au golf. On a tellement peu de chance. Drapeau il a 53 mètres, Polo vous voyez juste là, on sait même pas qu'il y a un bunker en face. Ouais. Bon, écoutez, 53 mètres, je vais jouer un coup de 56. Rectification finalement, Polo est dans le bunker, c'était la balle du papa. Moi je suis pas mal, je me suis mis à... Moi, j'ai dû me mettre à 2 mètres faut du pas drapeau. Tomber, c'est bon, hein. Bah, pense pas à la top, pense à la foutre dans le trou. Ouais, c'est bien sorti. Oh, c'est pas mal fait mon garçon, bien joué. Ouais, non, moi je suis le backspin pas, mais c'est pas grave. Allez, départ du 6, je suis 2 up. Alors là, un gros par 3, les gars. Il est chaud, hein. 212 mètres au drapeau. Vous voyez, c'est le petit fanion là, qui apparaît. Et la ligne de mire, je pense que ça doit être la visée pour le milieu du green. Le petit rond rouge. 212. Je vais sortir le fer 2. Je sais pas ce qui se passe là-bas. Le shot va être compliqué. Hein. Oh, elle est à droite. Allez Polo, départ des rouges. Alors lui il a 161 au drapeau. Tu joues quoi là pour 161 mètres? Un petit bois. Elle est grattée. Un petit peu gratté, ouais, mais. Je sais pas, il n'y a pas de bunker là-bas, si? Il y a un bunker à gauche. Ah ouais? Bon, moi je suis là. Elle a pris les arbres, elle a pris ce sapin là, malheureusement, j'ai un peu foutu à droite. Il me reste 61 mètres au drapeau. Et Polo est pas si mal. Il est juste là, vous voyez la balle. Ouais, t'es pas mal. Moi j'ai encore 60 mètres donc pas évident. Va falloir que je fasse un bon coup le wedge. Hein. Non, c'est court. Allez, roule. Oh, c'est trop court. Oh
polo qui se retrouve à gauche. Hein. Il est à hauteur de drapeau. Allez, moi je suis court, j'ai encore un sacré pote pour le par. Donc ça peut facilement prendre le point si tu fais une belle approche. Allez polo, accroche-toi. Allez polo. Point de chute, si ça roule, je vais essayer de la faire là. Je vais la faire assez haute quand même. C'est fort. Aïe aïe aïe, sortie forte celle-là. En fait j'avais trop peur de rester... Rester court ? Ouais, voilà. Ouais, tu l'as un peu accéléré celle-là. Oh, j'y ai cru ! Moi qui finis là. Allez, sois agressif sur ton pote, y'a rien si à perdre. Si je suis agressif, je touche pas le drapeau, je finis 2 mètres derrière. C'est vrai. Ah, et je te donnerai pas le pote. Donc tu veux m'avoir. En fait. C'est ça, t'as tout compris. Come on bébé, ok c'est donné, allez on reste square. Allez, on est sur le départ du 7, chelou la config de ce trou. En fait le drapeau est là-bas, 112 mètres, et au milieu il y a la route avec les voitures qui traversent. J'avais jamais vu ça, écoutez, ça peut être funky. Heureusement qu'ils ont mis un grillage pour la topette au cas où. Bon je vais jouer un pitch, hein, à 112, et on sait pas comment il green, mais je pense que ça va faire la distance. Allez c'est parti. La distance, hein. Je sais pas ce qui se passe. Je pense qu'elle est pas mal. Mon polo qui a 96 mètres, il joue un coup de pitch. Bah ouais, hein. Elle est parfaite, mon polo. Bien joué. Bien joué. Bon, deux bons coups. Polo qui est là, drapeau est là, et moi je suis là. Donc ça va encore jouer au putting. Il y a deux guêpes qui m'attaquent. Mais arrête de bouger. Bouge pas. Ah, c'est en dessous ça. Ah, c'est en dessous. Ouh là là. Et c'est pas donné. Et moi qui a fini là, regardez les abos. Il a fini là. Et le trou il a. Non. Et les... tu reviens. Et les trois potes de Marc. Aïe, le trois potes qui fait mal. Et il revient du coup, one down. On est sur le départ du 8, par 5 de 464 mètres, absolument tout droit. Non, fais gaffe, il y a des arbres, hein, et il y a un long limite. Ouais, hein. Toi tu l'auras même pas, les arbres. C'est de la triche, toi il est complètement devant, lui, les départs, là, il est tranquille. Moi j'ai les arbres en jeu, mais allez, c'est parti. Oh non. Ah ouais, c'est pas mal. Allez, on retrouve Polo, départ des rouges. Il avait pas tous les arbres à passer, il est plutôt pas mal. Contrebas. Sauf que pour mon draw, laisse tomber. Ah, ton draw, t'aimes pas là. Hein. Ah ouais, hein. Tu peux pas là, jouer. Là, je suis déstabilisé. T'es déstabilisé, hein. Tu peux pas jouer à droite avec ton draw. Hein. T'as peur de te taper les arbres. Hein. Non. Ah, elle est parfaite. Incroyable. Bien joué. Bon, Polo, il est là. Je vais jouer en bois pour avancer un peu. Ouais, parce que là il y a 207 mètres au drapeau, il ira pas. Et il y a un bunker devant, donc il va jouer tranquille. Petit bois pour faire de la distance. Tourne. Allez, tape un arbre. Prends un arbre. Ok, t'es en jeu. Tu vas avoir un coup de recovery. Bon, moi je suis là. Pareil, il me reste 200 mètres au drapeau. Je vais prendre mon fer 2, même si je tape pas très bien depuis deux jours. Faut que je m'entraîne avec, donc c'est le moment de le sortir. Allez. Vraiment pas bien, hein, faire deux. Bon, je crois à distance. Bon, on n'a pas retrouvé Polo malheureusement, mais par souci de temps tout simplement et de partie. On va l'autoriser un drop à hauteur estimée perdue avec deux coups de pénalité, donc il va taper 5 d'ici. Allez, c'est pas grave, Polo. Ouais. Aïe. Tu me donnes le trou, ok. Allez, je vais le finir. Bon, écoutez, je suis là. Le drapeau est là à 33 mètres. J'ai cet arbre qui me gêne. Probablement pas. Bon, je vais tenter un truc marrant. Je vais prendre le 60 et vu qu'il n'y a pas beaucoup de green, je vais la lever avec le 60 et on va essayer de pitcher le drapeau direct. Ouh, j'ai eu peur. Bah écoute, sur green, c'est pas mal. Allez, on est départ du 9. On est à 194 mètres du drapeau. Gros par 3, franchement il y a des par 3 qui sont gros là, c'est pas évident. Je vais jouer faire 4, hein. Je crois que je vais pas avoir le choix pour aller me choper à distance. Bah pour au moins avoir un bout de green. Allez. Oui.
au polo. 180 mètres des rouges pour un par 3. Ça fait sacrément long, hein. Tu veux driver ou tu joues bois? Non, bois. Parce que drive, je joue. Ok. Je vais taper, je vais essayer de l'accélérer quand même. Bah voilà, faut y aller, hein, je pense. Ouais, parce que soit je suis 10 mètres, soit je suis en très green. Après, avec le bois, ça risque de rouler. T'as un petit vent portant qui commence à arriver, ouais. Donc faut pas être déconnant. Écoute, la belle topette qui va faire la distance, j'ai l'impression. Hein. Bon, je suis sur un live pas terrible, je suis sur de la terre. Le drapeau est là, je suis à hauteur. Aucune chance de passer en hauteur. Je crois que je vais prendre mon pitch et je vais essayer de la poser en trait de green. Ouais, je vais faire ça. Hein. Je vais mettre pitch milieu de stance, qu'elle vole pas trop et qu'elle puisse quand même prendre un peu de spin. Je pense que ça va être le bon choix. Bon, Paul qui a fait une belle topette, qui est plutôt pas mal au final, hein. Avec le drapeau juste là. Tu joues quoi là, Paul, toi? 56. Allez, vol et roule. C'est à hauteur, bien joué. Mac qui a fait un bon coup quand même. Bon, il ne reste plus qu'à essayer de la boiter, hein. Allez, il faut être agressif sur le chip. Agressif Bah c'était pas si mal, hein. Bon, t'as le putt pour revenir one down. Bon, merci d'avoir regardé la première partie du vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je mène de 2 up, je crois. Allez, Polo, il peut encore s'accrocher. On va voir ce qu'il va nous proposer sur le retour. Allez, je vous fais des gros bisous à tous. Et à tout de suite pour la suite, tout simplement, de la vidéo. Ciao.